moko na sengi tolanda poeza na ta afidi pipi eza na vite si information yo sopo na bino na sengi tolanda banda sango bilili. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans
Julien, le maître des cérémonies. C'est très émouvant parce que ces grands messieurs pour lesquels on présente un témoignage vivant nous a quittés en pleine force de l'âge. Et ce soir que nous célébrons, que nous pensons à lui un an après sa disparition, nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup plus d'émotions dans les sens négatifs. Ainsi, on va permettre aux artistes et musiciens d'interpréter un morceau qui est un morceau marquant dans l'histoire de ce grand monsieur, la chanson Kélia, qui est la première chanson sortie sur disque au nom de lui-même, monsieur Pascal Emmanuel Sinamoy Rochefort. Ainsi, on va vous demander de vous lever et d'esquisser quelques pas de danse en mémoire de ces grands messieurs. Voici la raison pour laquelle je me suis levé à côté des musiciens, pour vous stimuler à la danse, manifester la joie, car sa voix nous procure beaucoup de bonheur. On applaudit très fort pour les artistes et musiciens, et on applaudit très fort pour Rochefort Taboulay, le seigneur de la chanson.
son frère à la fois, fanatique de Dabouli Rochereau, il va interpréter Congo à venir pour le plaisir et le bonheur de tous les admirateurs de Dabouli Rochereau. Et on applaudit très fort Choli Mobiana.
professeur Claude Rufu Mutanganga. Il décide de prendre le micro après Rufu Mutanganga. Il est tellement éloquent, quand on prend le micro après, on se dit qu'est-ce que je dois dire, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, le président de Kogo Sengen, vous le connaissez. Voici pour nous le président de Kogo Sengen, le président Kanta Nimoma, le Kanta. Alors, venez s'il vous plaît.
Congolais, tous les Congolais qui sont là ce soir, pour commémorer la disparition de notre très chère icône Taboulé Rochereau. Et en même temps, comme vous, vient de le dire le même chose aujourd'hui même au Grand Hôtel de Kinshasa, c'est la même chose pour notre soeur Abeti. Alors, ce soir, on vous présente une grande dame de la musique congolaise, une étoile montante de la musique congolaise, au nom de l'OPNL. Alors, voilà l'OPNL.
Zaza Star, Zaza vient, vieux Kouloutou, vieux Rouf, on vient pas rater au Botaban et Bélé. Un tonnerre d'applaudissements pour la pizza, s'il vous plaît.
Thank you.
je me retrouve devant le podium et comme vous voyez derrière moi, le podium avec tous les musiciens. Donc, je vous présente, la soirée continue toujours, continue. Vous voyez avec Monsieur Rouf, avec tous les musiciens. Si j'avais pu monter sur le podium, je serais montée, mais malheureusement, je ne peux pas pour éviter de déranger. J'en suis ici à là. Et je vous laisse apprécier et kiffer la mélodie. Merci beaucoup à toi, Adil Ondolé. J'ai l'habitude de dire plus beau que un dieu. Merci Edino Image, Panza Sangoya Congo. Embellis les musiciens comme tu as toujours l'habitude d'embellir. Et on se revoit à tout à l'heure. Merci.
Sango et à Congo pour propager une bonne nouvelle. Donc je me tiens présente aujourd'hui entourée de la famille de Rochero Tabouley ainsi que les amis et surtout n'oublions pas ces musiciens, ces apôtres qui ont tenu absolument à lui faire hommage. C'est pourquoi je vais vous présenter une grande personne qui se tient à ma gauche. Je le laisse se présenter tout seul. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Losikia Maneno. Monsieur Losikia Maneno. Je suis l'impresario qualifié de la Frise internationale. Monsieur l'impresario, si vous pouvez regarder le caméraman en même temps, vos impressions s'il vous plaît. Mes impressions, je remercie tout d'abord les musiciens de la Frise internationale qui sont en France, les amis, le collaborateur, nous les administrateurs comme Richard Bikusa Kosa, comme Kaber, comme Dino Vangu, comme Abro, comme Ntumba. Je remercie les amis de Tabouley, les collaborateurs, le Vietcham, Bruno. Je remercie la France. Pourquoi je remercie la France? C'est le premier pays que le Seigneur Tabouley, Rochero, il a fait au moins plus de multitudes de spectacles à l'Olympia de Paris. Ici même. Ici même à l'Olympia. Le premier noir africain qui s'est produit à l'Olympia de Paris. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes qui sont venues, qui ont répondu tous présents à votre invitation? Encore une fois, mes remerciements à tout le monde, à tous les amis, à tous les collaborateurs, à tous les musiciens encore, en plus, qui sont ici. Pour le premier spécial, premier anniversaire. Il est mort le 30 novembre, l'an 2013. Donc ce n'est pas une date au hasard d'être aujourd'hui tous ensemble. Au hasard. Son premier anniversaire de sa disparition. Tabouley, l'icône de la musique africaine moderne. Merci beaucoup l'impresario. Je vais passer le micro pour quelques secondes. Bonsoir. Ah, bonsoir. Je m'appelle Monsieur Richard Bikusa. Enchanté, Monsieur Richard Bikusa. Oui. Vos impressions, s'il vous plaît. Vraiment, nous sommes tellement émus de voir tout ce monde qui a répondu spontanément. On a eu tout le temps de se préparer, mais ce monde qui a répondu spontanément, vraiment, ça nous a tellement marqué. Ça montre exactement comment ils aiment l'icône Tabouley Rochero. En collaboration avec toute la famille, avec Kitongo Seben, qui est vraiment présidé par le président Niboma, et de voir tout ce monde qui est venu nombreux, vraiment on est tellement émis, vraiment ça montre que réellement que le Congo, l'Afrique tout entière a aimé leur icône, leur musicien, vraiment ça nous a tellement marqué. Merci beaucoup. Je tenais juste à préciser que nous avons eu un problème de son, mais malgré cela, nous avons été bercés par une très belle musique, des mélodies magnifiques. Donc je tiens à ce que vous me dites un dernier mot au public et à toutes les personnes qui vous suivent. En tout cas, que ça ne s'arrête pas ici. Prochainement, on est en train de se préparer pour un grand événement. L'année prochaine, on ne sera pas ici. Nous préparons sérieusement à l'Olympia, là où il s'est produit pendant au moins un mois d'affilée. Et là, nous invitons tout le monde l'année prochaine, vraiment tout un chacun, pour porter son un plus, en fait, que nous puissions faire quelque chose à sa taille. Vraiment, grand remerciement à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Et je continue toujours à la recherche des impressions. Comme vous le voyez derrière moi, tout le monde a répondu présent. Je vais continuer mon parcours avec celui qui se trouve à ma droite, Monsieur Quentin Niboma. Bonjour. Bonjour. Monsieur Quentin, vos impressions, s'il vous plaît.
Ben, c'est nous qui avons organisé cette soirée. L'association Congo Seb, ensemble avec les musiciens, des artistes de la frise internationale et les amis des taboulés. Donc, je suis vraiment heureux parce qu'il y a tellement du monde, vous avez vu, hein, il y avait l'ambiance et tout est bon. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Kontani Boma. Très bonne soirée à vous. Association des musiciens congolais, Congo Seb. Je viens en fait. Maintenant, je vais continuer sur ma gauche. Je vais vous présenter M. Adios Alemba. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde à Kinshasa, partout au monde entier qui nous suivent. Et nous sommes retrouvés aujourd'hui pour l'anniversaire d'une année de la disparition de notre icône, le Seigneur Taboulé Rochereau. C'est plus cela, nous, ses frères, le jeune, les amis de la frise à tous les musiciens et les journalistes, ses amis de Seigneur et les artistes. Je suis avec Etumba de la frise, donc avec tous les Parisiens. Tu as vu comment la salle est comble, pleine. Pleine, donc on a fait dans l'essentiel. Et quels sont vos sentiments par rapport à quand vous voyez toutes ces personnes derrière? Ça, c'est l'amour. L'amour de Taboulé des Seigneurs. Ça, c'est l'amour qu'on garde, cet amour, malgré sa disparition. Nous, c'est le jeune, le Kassongo, les frères. Donc, c'est nous, les taboulistes. Donc, vieux Nabiswa, mais ça n'a qu'à c'est qui ça. Il y a un jour, à l'élopéto, c'est nous, le Kassongo, Bissobaoui. Merci beaucoup, les apôtres. Merci beaucoup, les apôtres. Je continue toujours. Bonjour, monsieur. Bonsoir, bonjour. Veuillez vous présenter. Oui, c'est M. Toumba de Trompettiste, l'apôtre de Seigneur Lay, le fidèle et le fils de Seigneur Taboulay, donc dans la musique. C'est bien moi. Monsieur Toumba, quelles sont vos impressions par rapport à ce soir et tout ce qui s'est passé? Franchement, je suis très ému parce que c'est moi l'organisateur. Je tenais à ce que cette soirée réussisse. Là, vraiment, je suis très, très, très content. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui ne croyaient pas qu'on allait quand même penser à notre Seigneur. Donc, Seigneur, il est parti, mais sa musique reste. C'est pour ça qu'on veut défendre cette musique. Aujourd'hui, on veut faire savoir aux mélomanes que la musique de la frise, hein, c'est nous, il est dans notre sang. Et on la défendra jusqu'à la dernière cartouche. Merci beaucoup, monsieur Toumba, le trompettiste. Merci à vous. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et à tout à l'heure. La soirée continue. Avec toutes les personnes qui ont participé, qui ont fait en sorte que cette soirée réussisse à ce point. Notamment Adil Londolé, que j'ai l'habitude de dire plus beau qu'un dieu, ainsi que M. Rouf Mboutanganga, qui est à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. Je ne pense pas avoir besoin de vous présenter, mais je préfère quand même que vous vous présentez un petit peu. Je réponds à l'appellation de Rouf Mboutanganga. On m'appelle la voix autorisée, l'orateur du peuple. Merci beaucoup, M. Rouf Mboutanganga. Quelles sont vos impressions par rapport à ce soir et à toutes ces personnes qui ont répondu présent? Je suis très ému, d'autant plus que la personne pour laquelle nous sommes venus ici était un frère, un père, un collaborateur. Il était tout pour moi, c'était un confident. Il était un confident. Et aujourd'hui, j'ai même sorti des souvenirs indélébiles, des lettres manuscrites de Taboulé où il écrit « petit frère » quelque part. Donc sa disparition est une souffrance pour moi. Qu'est-ce que vous retenez de ces manuscrits? Ben, c'est une adresse pour une intervention personnelle à son avantage et à l'avantage du groupe Afrise International. Alors moi qui fus le fondateur et président du fan club Afrise International, qui est le premier fan club des Africains ici sur la place de Paris, aujourd'hui j'ai dit j'ai perdu quelqu'un d'une très grande valeur. Alors
commémorer un an de sa disparition avec sa famille, avec ses collaborateurs. Grande émotion une fois de plus, mais c'est un plaisir que les gens se retrouvent autour de son nom et qu'on puisse lui rendre des grands hommages mérités à juste valeur. Merci beaucoup Monsieur Rouf. Je suis ravie de vous avoir d'avoir partagé ce petit moment avec vous et je vous souhaite du courage et surtout une très belle soirée. Merci à vous. Merci. À ma droite se tient Monsieur Joly Moubiala. Je laisse se présenter le frère de MNA, le King Kester, qui nous a quittés bientôt un an. Donc, Monsieur Joly Moubiala, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos impressions? Pardon? Quelles sont vos impressions? Ben, là, on a appelé la monnaie Batao et à Frisa. Ma frère, là, Frisa, on a appelé à trop. Bate Bélé va répondre présente, Lélo. Donc, sentiment, là, Là, personnellement, dans ce pays, pourquoi? Parce que vieux roche à Koufi, dans la Zalagité, vieux caisse à Zalagité dans malade, l'hôpital, grand caisse à Koufi. Donc, ça, pour nous, nous avons plaisir, nous n'avons que. Et ça, nous avons plaisir, ma casque, nous avons plaisir, nous avons Frisa. Donc, nous avons plaisir, nous avons plaisir, nous avons plaisir. Nous avons sentir peine, nous avons plaisir. Mais je préfère ne plus t'interviewer, mais j'espère, j'aimerais juste avoir une toute petite mélodie de ta part. Ngai na mesana boye na koko fasana bo pauvre na ngai pande ngai bo mwana na zwa kate kaka zambela ko sambela mon solo ezali soka diabolo no wana ezo biloko biso zali na cour o viero na biso to tema na viero shote mais tellement to yoka etro to to zwa biloko wana to kanango. Tu viens d'Afrique? Non, on a bêté dans la frise à terre, on a bêté dans la Viva, on a papa Wemba, on a bêté dans les menées à Kilkesser. Donc, tellement na yoka virochro, na zwa peskiloano. Ok, merci beaucoup. Très belle soirée à toi et à tout à l'heure. Continue toujours, ma tournée continue au sein de groupe Afrisa, des musiciens, la famille ainsi que ses enfants de Rochero Taboulay. Et là, j'ai en ma présence une femme. Maman, bonjour. Bonjour. Alors, la femme, en l'occurrence, s'appelle Lobenel. Bonsoir. Bonjour. Namounio, na podium, Oyembi répertoire, ya Rochero Taboulay. Pesangai, okokokope, sabiso, ma impression. Nakokio, le bac, ponanga, vraiment, Eza. Eza et c'est mon mingi, ndenga na yawa, na ye po dino à comment dire, à singa na ya po na yemba moi nzembo mi ba emisato. Bon voilà quoi, je suis venue parce que j'ai un très bon souvenir déjà de Rochero Taboulay que j'ai eu la chance de rencontrer. Et puis pour moi, bon, bah, c'était tout à fait naturel d'être là et puis de prendre part surtout à ce grand hommage qui lui est rendu. Oui, mais la bise au moins titre, Moko. Oui, Marcaio. Boutouna moïna colota, bolingonanga maria chanta, bomotona makani si mange, si kali bongo libella chérie. Na kolobela yo ma belle, bolingo awe le kinangai, bo se kina bolobie, nandimie bongeliyo. Maria, Maria chanta, tindelanga e maloba mayo, omotema mwanga, mokolana te kubanza seyo. Maya, Maya Chantal, Tindelanga et Maloba Mayo, Omotema Mwanga, Mokolala Teko Banza Seyo. Merci beaucoup, très belle soirée et on se revoit tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Quelles sont vos impressions, madame? Moi, je suis Maria Kate. Je suis Maria Kate, je suis artiste. Et donc cet homme, je l'ai connu quand j'étais enfant. Il est énorme.
C'est un homme qui avait beaucoup de talent et que je ne peux même pas, je ne sais pas si les mots sont justes. On n'aura jamais un homme de sa carrure. Il avait une répertoire qu'on ne peut pas imaginer. Il a préparé beaucoup de gens comme Papa Emba et les autres. Ça prouve sa grandeur et moi je suis très fan de ce qu'il faisait. Bah, c'est ce qu'il faisait à l'époque, c'est ce qui revient à la mode maintenant. Je sens sa musique par les Ougandais quand je les écoute. Et les Tanzaniens, ils reprennent toujours les guitares que lui, il faisait jouer. Et puis voilà, il a beaucoup de talent, que son âme repose en paix. Et nous n'oublierons jamais, c'est une icône du Congo. Merci beaucoup, mais vous avez été chanteuse. Oui, je suis chanteuse. Vous avez chanté avec M. Rochero Taboulay? Parce que je vous sens très émue. Non, je n'ai pas chanté avec Taboulay, je chantais avec Abeti, mais je le connais quand même. Hein. Qui ne connaît pas Rochero? Il est connu dans le monde. Merci beaucoup. Merci, très belle soirée à vous. Bonjour Adelo Kela. Bonjour madame. Vos impressions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Je suis très content, mais là je suis venu honorer notre icône, Taboulay, notre papa, notre papy. Je suis venu contribuer par rapport à cet événement. Je suis musicien de Victoria Ellison. Vous êtes musicien de Ellison? Je suis venu de la part de Victoria, parce que je suis un chef d'orchestre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Et quelles sont vos impressions? Là, on est nombreux. Je crois même pas, ça ne va pas passer comme ça. Et quand vous voyez tous ces publics derrière, vous attendiez franchement à toutes ces personnes? J'ai beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup d'émotions quand je vois des gens comme ça. Et puis ici à Paris, il n'y a pas des événements qui passent comme ça. C'est pas... Vous êtes de quelle chaîne? Panza Sangoya Congo. Avec Eddie Bilili. Avec Eddie Noimage. Eddie Noimage. C'est mon frère, il me connaît très bien. Et puis je suis très content. Je suis très content vraiment. Moi aussi je suis très contente d'être là présente. Je suis vraiment très contente de vous avoir vu et pris un par un. Merci beaucoup, très belle soirée à vous. Attends, deux minutes. Et je continue toujours avec l'ancien chanteur. Je continue toujours avec l'ancien chanteur de l'Empire Bakuba qui va se présenter. Monsieur, bonjour. Bonjour, c'est Solo Sita, l'ancien chanteur de l'Empire Bakuba. Je suis là pour honorer Monsieur Taboulay. Comme vous le voyez, hein, c'est vraiment les amis, la famille, les enfants, les musiciens. Et là, ça continue avec Monsieur Solo, l'ancien chanteur de l'Empire Bakuba. Et bien, nos photos images à Paris. Mes horaces de tes cœurs. Ambara Poussiama. Alors, Lingo Saba, mariage là, anniversaire, par retrait de deuil. Et puis nos images tout du monde. Makanga Kata Kwe Kandala la rate à Paris. Olingi Bilili a soin. Olingi Masolo ya Kitoko na Paris. Équipe à rappé mon corps. Et puis nos images. Lamba Bilili Batuma Sepelaïn.